J'aimerais tellement trouver ma place quelque part. Je vis dans mon pays depuis ma naissance, mais officiellement, je n'existe pas ici. Je suis ce qu'on appelle une apatride. J'ai maintenant plus de 60 ans, et la plus grande partie de ma vie, je l'ai passée avec ma famille à fuir la guerre, la famine et la persécution. Mon gouvernement a décidé que j'appartenais à une minorité à laquelle on pouvait retirer la citoyenneté. Depuis, je suis apatride. Juste comme ça. Je suis allée à l'école pendant 7 ans. Quand j'ai enfin voulu passer mon diplôme, ils m'ont demandé mes papiers. Mais je n'ai pas de papiers. Sans papiers, m'ont-ils dit alors, il est impossible que vous passiez un diplôme. Sans diplôme, mon cursus scolaire n'a aucune valeur. Après de longues recherches, nous avons finalement trouvé un pays d'accueil qui nous permette de rester. Mais maintenant, la situation est différente. J'ai perdu mes papiers pendant ma fuite. Et mon pays d'origine ne veut pas me délivrer mes documents. Nous n'obtiendrons pas une nouvelle citoyenneté dans ce nouveau pays. J'ai une famille à nourrir, mais sans papiers, personne ici ne me donnera de travail. J'ai toujours voulu fonder une famille. Et maintenant, enfin, je suis enceinte. Mais avec l'attente de cet heureux événement, avec la joie de donner naissance à mon enfant, la peur grandit aussi. Je ne pourrai pas accoucher à l'hôpital parce que je n'ai pas d'assurance maladie et je n'ai pas assez d'argent pour payer les prestations médicales. Quand vous êtes sans papier, vous devez payer le prix fort qui est exigé aux étrangers. Mon enfant ne recevra pas d'acte de naissance. Mais ce n'est pas la faute de mon enfant si je n'ai pas de papier. Ma belle-fille est d'ici. Mais ce pays est l'un des 27 pays du monde où il est interdit aux mères de transmettre la nationalité à leurs enfants. Cela ne peut se faire qu'à travers l'homme. Mais mon fils aurait besoin de ses propres papiers pour cela, et nous ne les avons pas. Sans ces documents, lui et ses enfants restent apatrides. Étudier ou trouver un emploi décent sera pour eux presque impossible. Oh bah. Il y a des apatrides partout dans le monde. Leur nombre exact n'est pas connu, car les données sur les apatrides sont rarement enregistrées. En raison du nombre élevé de cas non signalés, les experts estiment qu'au moins 10 millions de personnes sont sans citoyenneté. Les systèmes juridiques nationaux exclusifs, ainsi que la fuite et la migration, conduisent à la perte de citoyenneté de nombreuses personnes durant leur vie, ou déjà dès leur naissance. Les parcours de ces personnes sont différents, mais les conséquences sont les mêmes pour tous. Ces personnes sont privées des choses les plus naturelles de la vie. Éducation, soins médicaux, approvisionnement, sécurité, droit à la propriété, possibilité de travail, droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants, droit de vote ou tout simplement droit de voyager. Chaque être humain dispose de ses droits universels. Ils ne doivent pas être liés à la nationalité. Je rêve d'un monde où ma famille vivra en sécurité avant que je meure. Comment se fait-il que je sois ici et que je ne puisse pas exister ?